Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer donc comment crocheter ce point. Je vous montrerai aussi bien sûr donc le matériel utilisé, etc. Mais vous avez vu, je travaille avec des brides et des mailles serrées, donc vous allez voir, c'est simple à crocheter et ça vous donne vraiment un effet super sympa. Donc pour le fil choisi, donc c'est la Fairyland de chez Teddy, donc c'est voilà, une pose de chez Teddy. Donc c'est 150 grammes, 370 mètres. Donc voilà, donc c'est des tons rose, orange. Voilà, donc ça c'est doux aussi. Pour des aiguilles crochet 3-4 mm. Voilà, je travaille avec du 6, moi. Et donc c'est 72% de coton. Et voilà, c'est du... de l'acrylique. Ok, donc là, ben là vous avez bien sûr donc les données poids et longueur. Donc là, on va pouvoir commencer avec une chaînette de mailles en l'air, bien sûr. Et donc, il va falloir un multiple de 3. Donc pour moi, je vais partir sur 15. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, oui. Donc vous voyez comment, voilà, comment ça évolue avec... le crochet 6 mm, donc c'est plutôt pas trop mal. Donc je vais laisser deux premières mailles et je vais commencer par travailler une bride dans la troisième maille. Et dans la même maille, encore une deuxième bride. Ensuite, je saute deux mailles, je vais dans la troisième et on va crocheter une maille serrée cette fois-ci. Et une, deux brides dans la même maille. Et ensuite, on saute à nouveau à deux mailles. Et dans la troisième, on va crocheter une maille serrée et deux brides. Et donc une deuxième bride. On saute deux mailles et à nouveau dans la troisième, on crochète une maille serrée et deux brides. Donc tout, donc maille serrée, deux brides, tout ça dans la même maille. Hein. Donc là, il me reste encore trois mailles en l'air. Et dans la dernière, on va crocheter une maille serrée. Donc, je vais pas travailler la maille serrée au début, mais à la fin, mais c'est voilà, c'est pas visible. Et j'ai commencé du coup aussi avec les deux mailles en l'air. Donc on y va, on commence avec deux mailles en l'air. On tourne le travail et là, dans la maille de la maille serrée, donc cette première maille ici, on va commencer par une bride et une deuxième. Donc, on crochète deux brides dans cette maille-là. Ensuite, voilà, donc vous voyez comment c'est construit ici. Voilà, donc là vous avez vos brides et là la maille serrée. Et donc en fait, on va travailler dans la maille serrée. Vous voyez, vous avez la maille de la maille serrée et on va voilà, se positionner à ce niveau-là.
Et alors, on fait notre maille serrée et de bride au niveau de cette maille-là. Voilà, au niveau de toutes les mailles serrées, en fait, que vous avez crochetées au rang précédent, eh bien, vous avez crocheté votre maille serrée et les deux brides. Donc on arrive à la fin du rang ici. Et là vous voyez vos deux mailles en l'air. Donc ça c'est la chaîne de mailles en l'air que vous avez faite au début. Et là à ce niveau là vous crochetez votre maille serrée pour conclure le rang. Voilà, donc on a commencé avec les deux mailles en l'air et ensuite les deux brides. Et puis après ben, on termine avec une maille serrée. Donc un petit peu comme on a travaillé au rang précédent. Je vous montre ça encore une fois. Donc on commence avec deux mailles en l'air. Alors, vous voyez bien les mailles serrées ou la maille de chaque maille serrée et dans ces mailles, c'est dans ces mailles-là que vous allez donc du coup commencer par travailler vos. Voilà, et donc là on y va. Voilà, comme vous l'avez fait tout à l'heure, donc dans toutes les mailles serrées, au niveau de toutes les mailles serrées, vous crochetez une maille serrée et des brides. Et au début, comme on l'a fait, donc vous avez toujours cette bride, cette maille serrée que vous avez terminé le rang avec une maille serrée. Et dans cette maille serrée, donc vous commencez votre rang de mailles en l'air. Et dans cette maille serrée, vous crochetez ensuite deux brides. Et ensuite, vous continuez avec, dans chacune des mailles serrées suivantes dans le rang, vous continuez avec mailles serrées et des brides. Et donc là, vous arrivez au niveau de la chaînette de mailles en l'air, comme on l'a au niveau de la fin du rang. Et dans cette chaînette de mailles en l'air, vous allez crocheter une maille serrée. Alors, je travaille ça voilà, un peu plus et voilà, on va continuer sur plusieurs rangs. Et voilà, donc vous voyez, après avoir répété ce rang plusieurs fois, vous voyez le rendu que vous obtenez avec ce point. Ça vous donne vraiment quelque chose de sympa et puis aussi voilà, d'assez déstructuré parce que vous avez des vous voyez, qu'on part des effets de direction qui varient. Donc parfois ça part à droite, à gauche, voilà, donc ça vous fait des effets vraiment, vraiment sympas. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, appuyez aussi sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Et on se dit à très très vite, salut !